Quelle télé-réalité on aimerait participer? Oh! Attends, je le refais. Oh! Ce serait très inquiétant qu'on ressemble à nos personnages, ouais. Mais malheureusement, je crois qu'on y ressemble un peu. J'adore les plans de chat. Et moi, j'aime bien la chanson et les chapeaux de cow-boy. C'est vrai. Koh-Lanta! Non, je rigole. Qui est trop chaud. Koh-Lanta, mais deux jours. Et ah, avec ouais. Le droit de manger et le droit d'aller à l'hôtel. Motus! J'ai juste envie d'avoir la boule. Ah ouais. Oh. Quelle télé-réalité on aimerait participer? Oh! Attends, je le refais. Oh! Moi j'irais bien dans une villa, mais pareil, 24 heures. Ouais, puis tous les deux. Et puis les lancer sur des trucs. Genre, tu plantes le Nutella. Eh, hey, quelqu'un il a pété un Nutella. Et tu, oh, et bah tu laisses faire. Qui tu laisses faire. Qui? C'est qui? C'est qui? Il y a une scène qui était interminable, oui, tellement on rigolait. C'était la scène du prix à tout prix, justement. On essaie de deviner les prix. Il y a un acteur extraordinaire qui s'appelle Olivier Martin Salvan qui hurle 750 constamment. Il hurlait tellement fort qu'on n'arrivait pas à se concentrer. Infaisable. On l'a baissé au montage parce qu'il me prenait. Je crois que si on regarde bien, il y a même une prise où je suis en train de me marrer. Peut-être une prise ou deux. si je peux me permettre. Film Palmacho à fond. C'est vraiment un prolongement de ce qu'on fait, nous, d'habitude, dans nos sketchs. C'est une comédie sincère. On a mis 5 ans avant d'écrire un autre film après Max et Léon, parce qu'on voulait avoir du fond. Et je pense que ce film allie fond et humour. Donc je pense que vous ne serez pas déçus. De ce qu'on a un petit peu pu voir dans les avant-premières, je pense qu'il y a aussi une grande part de rigolade. Ouais, on se marre bien. Ouais, je crois. Oui. Surtout dans les salles CGR. Les salles CGR, c'est pas mal quand même.